Bonjour les amis jardiniers, aujourd'hui nous sommes le 12 septembre. Ce matin il faisait 8 degrés, pas très chaud pour la saison. Je vous emmène récolter quelques melons. Voilà, nous sommes arrivés. C'est pas très gros, mais croyez-moi, du chemin, ça sent vraiment très bon. Voilà, il se détache même tout seul. Ouais. Vous voyez ? Ça sent comme le miel. Il y a quand même des beaux petits spécimens. Entre 700 et 1 kg pièce. Il y en avait ici une douzaine de pieds. Vous voyez ? Et vraiment plein de petits. Je sais pas s'ils arriveront en maturité. Il y a quand même de la marchandise. Pour les arroser, j'ai vu que sur une vidéo, en mettant des bouteilles au pied, ça marchait bien. Et moi, en plus, j'ai mis une grosse poignée de terre. Et ça fait comme une office de goutte à goutte. Quand je mets rempli la bouteille le matin, le lendemain, il en reste encore un petit peu au fond. Les pieds que j'ai installés comme ça sont encore bien verts. Les autres sans terre dans la bouteille sont plutôt pâles. Voilà. Donc, oui. La bouteille de l'eau, hop. Et là, on va s'adéployer. Hop, vous voyez, ils se détachent tous vraiment tout seul. Et Ça sent très très bon. C'est pas très très gros, mais c'est savoureux. Vous voyez? Au milieu de la parcelle, il y a pas mal d'herbes. Parce que il n'y a pas eu moyen d'y rentrer. Mais comme depuis fin juillet, il n'a pas fait beaucoup d'eau, ça n'a pas trop poussé. Hormis la facélie, qui avait grainé de ce printemps, les abeilles sont contentes. Vous voyez ? Et des pieds de melon. Hop, je viens d'en écraser un. Tout à fait écrasé, quoi. Un petit, dans l'herbe. Là, il y en a encore un beau, mais il n'est pas mûr. Son petit frère à côté. Là, je pense qu'il ne fera pas grand-chose. Je vais voir un petit peu plus loin en faisant attention de ne pas tout écraser. Voilà. Vous voyez ? Il y en a un petit peu partout. Pour vous dire qu'ici, la côte est juste là. C'est tout démuré en pierre sèche. Et on est situé vraiment en plein midi. Voilà. C'est juste pour vous faire voir la petite récolte. Là, il y en a encore un beau là. Un beau ici. Encore ici. Là-bas, caché dans les orties. Je voulais vous faire voir aussi la récolte un petit peu de pastèque. Bon, cette fin de semaine, il y a eu 30-32 degrés. Mercredi, jeudi et vendredi. Il a fait qu'un orage de 3 mm d'eau. Et les pastèques ont sûrement pas bien apprécié car apparemment les pieds ont attrapé la maladie et sont bien morts. Mais les pastèques sont là. Vous voyez? Ça fait quand même des beaux spécimens. Et moi quand je vois qu'ils sont mûrs, il y avait un tout petit pédoncule ici. Je sais pas si vous allez voir. Quand cette partie-là est sèche, moi je peux les récolter. C'est pas très très gros, mais croyez-moi, ça pèse comme un plomb. Il faut en moyenne 3,5 kg, voire 4 kg. Il y a quand même quelques spécimens. Vous voyez ? Un peu plus gros, un peu moins gros, mais comme elles n'ont pas été trop arrosées, croyez-moi, elles sont délicieuses.
Voilà, je vais en finir. Je vous fais voir juste un petit peu la récolte du jour. Donc, 4-5 belles pastèques. Voilà. Quatre beaux melons. Croyez-moi, qui sentent très très bon. Voilà, je remercie tous mes abonnés. Si cette vidéo vous a plu, partagez, abonnez-vous. Deux ou trois belles images du très très beau secteur. Ici, je vous garantis, c'est vraiment tranquille. Il n'y a pas un bruit. On écoute juste un peu les oiseaux. Allez, merci bien. Prenez soin de vous et à plus tard.